Alors ça fait 8 ans maintenant que je suis éducateur et entraîneur. C'est ma quatrième année ici, donc j'ai fait 4 ans avant dans une petite piscine. Et pourquoi? C'est très simple. C'est ma maman était maître nageuse, entraîneur. Et depuis j'ai l'âge de 5 ans, je fais de la natation. Donc j'ai été baigné dedans depuis tout petit et depuis l'âge de 13 ans, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai réussi. Le club Sens Natation a été fondé en 1995. En fait, c'est une fusion de deux clubs. Donc on est affilié à la Fédération Française de Natation pour pouvoir prétendre à faire des compétitions. Des compétitions de niveau départemental jusqu'à niveau national. Un club, on va dire, loisir ne peut pas faire de compétition, lui. Il est là, juste là pour faire nager les enfants ou les adultes pour faire de l'apprentissage de natation. Nous, on est sur de l'apprentissage, du perfectionnement aussi, mais aussi pour aller viser des résultats sportifs. À l'heure actuelle, enfin, je vais vous mettre un exemple. L'année dernière, on avait 4 nageurs qui sont allés sur les différents championnats de France. On a des enfants qui sont plutôt là pour apprendre la natation, mais tout en s'amusant. Donc sur une partie ludique, sur de brasse, d'eau, un peu de crawl, on voit un petit peu le papillon. Et ensuite, donc on a nos groupes, comme on peut voir là derrière moi, les groupes compétition, où là, c'est des enfants qui nagent vraiment pour aller chercher quelque chose sur des compétitions. Donc l'année prochaine, au lieu d'être 2 éducateurs, on passera à 1 seul éducateur. Et il y aura de moins en moins de compétitions, on sera un peu plus sur du loisir, en attendant éventuellement un repreneur qui a vraiment envie de repartir sur de la compétition.